Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour l'épisode numéro 126. J'ai eu un tel bug de latence là, genre, attendez, on en est où? Je ne sais plus. 126 du 100 Baby Challenge, on est à 50 bébés. Pierre est enceinte, il devrait accoucher incessamment sous peu, puisque j'ai un peu accéléré, enfin, joué hors caméra. Je vous ai expliqué tout ça dans le 125. De toute façon, pas de surprise, Samy et Natsume se sont barrés. Donc j'espère que ce sera pas des jumeaux. Ah bah, voilà, je viens de lancer le jeu et Pierre accouche. Bon bah c'est super, je vous reprends dans le jeu. J'ai vraiment eu un cul de ouf sur ce coup-là, parce que hier, quand j'ai arrêté de jouer, oui, on est le 31 maintenant, lol, même si vous en foutez, le premier, on est le premier, je suis con, moi. Il me reste 12 000 vidéos à faire en 2 jours. Lol, ouais, donc je me suis dit, allez, je vais arrêter là parce que j'ai peur que Pierre accouche et que je puisse plus sauvegarder. Et là, je relance le jeu et boum! Ça s'appelle une chance de cocu. Alors j'espère que j'aurai autant de chance. Genre, donne-moi juste un. Deux à la limite, mais pas trois. Non, je... Non, là, franchement, je doute qu'il m'en donne trois. Hein. Franchement, ça m'étonnerait. Je trouve qu'il a grossi, Pierre. Bah, il y a des jumeaux déjà, il y a les traits, ça c'est clair. Ah oui, merde, faut que j'ouvre mon document. Je suis con. Voilà, Lupina fait des vidéos et elle prépare même pas ses trucs en avance. C'est honteux. Honteux remboursé. Puisque j'ai un document avec le nom. Alors, c'est une fille. Ah bah, je sais comment je vais l'appeler pour commencer. Donc, ça va être Maya. Coucou Maya! J'espère que t'es ready pour te faire insulter. Et un garçon! Alors, en garçon, on en a deux, trois. Ça va être Max, parce qu'il est là depuis un moment déjà. Voilà! Non, mais c'est. Non, mais. Non mais je suis maudite, ça se passe comment? Non mais s'il vous plaît. Non mais... Bon ok, bon bah ce sera Jordan. J'espère que t'es prêt aussi à te faire insulter. Non mais c'est pas possible. Mais d'où? Je rappelle que Pierre n'a aucun trait de fertilité. Oh, c'est tous des aliens en plus. Oh my god. Je... Et c'est pas quoi vous dire. Bon bah... Bah l'avantage c'est qu'on est à 53 bébés, donc on se rapproche de la fin. Oh non, ça chiale déjà. Oh là là. Alors pour ceux qui demandent... Attends, juste ta gueule. Je sais pas lequel chiale, mais ta gueule. Ben c'est Maya, voilà. Ça va être la pisseuse du trio. Non, pour ceux qui demandent, j'utilise Bandicam quand je filme. Excusez-moi, attendez. Un réglage. Parce que c'est en train de se péter la gueule. LOL MDR. Voilà. Bob le bricoleur, la. Oui, donc je disais, j'utilise Bandicam pour filmer et j'arrive pas à régler en fait. Donc vous avez pas le son du jeu, vous avez que mon micro. Mais si vous voulez, Nono peut vous ajouter un bruitage de bébé qui chiale en arrière-plan. Si t'as envie, Nono, hein, parce que bon. Lol. Oh my god. Alors du coup, il avait... trouver ce qui ne va pas. Ah, soin de bébé ultra efficace, c'est ça dont vous me parliez depuis 30 ans là. On est quelle journée? Lundi, oui, donc j'ai passé le week-end, hein, parce que le week-end c'est chiant, il n'y a rien à faire. Et je vais éternuer, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est moi, elle vient de se lever de ce lit pour aller dans celui-là. C'est... Non, c'est pas Darcy Meur, c'est Payette. Mais Payette, mais t'es complètement conne! Non mais t'es complètement irresponsable. Ça c'était gratuit, gratos. Ok, bon bah d'accord, pourquoi pas. Bon, on va un peu s'occuper des chiards vitef. Il est 6 h du mat.
Va prendre les restes. Dire va prendre une douche et prendre les restes. Mais non, pas mettre le bazar. Scrognogne, clique sur le truc. Voilà. Mais non, mais des triplés encore? En fait, j'en reviens pas. J'ai jamais eu autant de triplés de ma life. Il y a un bug ou quoi? Ils ont augmenté la probabilité d'avoir des triplés. Je comprends pas. Bon, ils sont sages pour le moment, alors on va vite se casser de la chambre avant qu'ils se réveillent. Mais quoi, Jordan a très... Ah d'accord, ok, il y a un bug. Donc c'est génial. Il y a un bug, ce qui fait que on voit pas quand ils chialent. Alors c'est bien pour mes oreilles, pas trop pour ça là. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec des triplés, moi? Mais c'est horrible. Mais pourquoi? Mais le jeu, tu me détestes. Tu me détestes autant après toutes les heures qu'on a passées ensemble, toi et moi? Oh là 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 là. Oui, bah mange, choupette, écoute. Oh là là. My goodness. J'ai regardé un petit peu sur YouTube. Pour voir, je regarde mes boutons, c'est génial. Pour voir un peu qui faisait encore le sang bébé et j'ai pas trouvé. Je crois que ceux qui ont commencé ont quasiment tous abandonné. Donc c'est génial. Bref, quoi, qui chiale encore? Oh là 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 là, bah oui, bah oui, bah maintenant que t'as mangé, tu chies direct. Pire qu'un canard. Picsou! Ne porte pas de pantalon parce que les canards se chient dessus tout le temps. Bon, Maya, elle dort, on est tranquille. Tranquille le canard, MDR. Mais pourquoi? C'est l'épisode de l'incompréhension, là. Est-ce que le trait jumeau... Enfin, je croyais que le trait jumeau, enfin, l'alignement cosmique, ça augmentait les chances d'avoir des jumeaux, pas des triplés. Par contre, si vous pouvez vous manier pour aller à l'école, ce serait pas mal. Voilà, vas-y. Non, non, mais nettoie pas. Nettoie pas, c'est bon, vas-y. Et toi, tu peux te manier aussi ou pas? Allez, on se manie le train. Voilà, vas-y, hop. Zouzou. On va réviser assidûment, hein. Non, mais sérieux, fais pas la vaisselle, sale pute. Je te dis de pas le faire, tu le fais. Bon, c'est bien, hein, c'est gentil de vouloir aider ton père, mais là, c'est pas le moment. Surtout qu'il y a une bonne qui vient. Elle est là pour ça, cette connasse. Qu'elle serve à quelque chose, quoi. Non, mais j'y crois pas. Des triplés encore. Encore. Et encore. Bon, je crois qu'on n'avait pas eu des bleus. Hein. Oh là là, je suis tellement blasée. Alors, du coup, attendez, je note, hein, pendant que l'autre, il bouffe. Là, on a eu Maya, Max et Jordan. Voilà, c'est super. En vrai, je m'attendais... Je me suis dit, c'est une éventualité qui a traversé ma tête, vous voyez. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible, autant de triplés, autant de fois de suite, non, ça le fait pas, machin. Ouais, bah mon cul, ma cage bono, hein. Oh là là. Tais-toi, 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 Max. Oh là là. Oh non, ils vont être bambins, ça va être chiant. Vous savez quoi? Allez, on va se mettre un peu de challenge. Ah oui, j'ai pas le droit de quitter le terrain. On va inviter le mec là, qui arrêtait pas de nous foutre des râteaux. Vu que Pierre est heureux. Qu'est-ce que c'est? C'est jardinier? Oui, c'est ça. Le mec qui arrêtait pas de nous foutre des râteaux hier, je sais pas si vous vous souvenez. Alors attendez, il est où ce petit con? Donc, c'est bon, Chiora, machin. Ah, gna gna gna, gna gna gna. Je sais pas si on l'a dans notre répertoire du coup. Jackie, Kurama, Rosa, Jean-Philippe. Ok. On l'a pas. J'ai pas le droit normalement de quitter le foyer s'il y a pas des ados ou des adultes. Enfin, vous voyez. Oh, c'est chiant! Je voulais aller pécho! Y a pas un mec dehors, dans la rue? On va le pécho, discretos. Y'a rien ici. Ah, là, y'a quelqu'un. C'est une meuf. C'est un vieux. Oh, j'ai une idée. C'est moche. On va aller le draguer et le buter. Alors, à vous l'erreur, c'est bon. Faut assumer, les gars, dans la vie. Assumez toujours ce que vous faites. C'est qui? Oh, bah attends. Attends, va pas te taper le vieux. Y a un trou de balle, là.
Présentation amicale. On va se taper la bonne. Oui, oui, vas-y. Vas-y, de toute façon, t'étais pas très beau. Bon, lui non plus, cela dit. Alors, extraverti aime la musique. Ah, réticent à s'engager. Et t'inquiète, on veut pas s'engager, nous. On veut juste la semence. Alors, t'es beau. Il va nous envoyer chier. Ah non, ça va, en fait. On va le draguer. On va direct rentrer dedans, le Pierre, là. Je sais pas trop si ça va marcher, mais bon. J'ai un doute. Je suis pas sûre de la chose. Tant qu'on... Ah bah, mais il est chaud patate, lui. Tu veux ton pourboire, c'est ça? C'est moche. C'est moche. Ah, mais il veut son pourboire, le gourgande. Allez, dépêche-toi. Mes filles et mes fils rentrent bientôt de l'école. Donc, va falloir y aller tout de suite, là. Ah, non, ça y est. Il est pas content. Bon, bah, tant pis, hein. Est-ce qu'on peut s'excuser? Je sais pas où c'est, je sais plus. Je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Se plaindre du coup du chauffage. Demander d'avoir une tenue, blablabla. On peut le complimenter peut-être. Complimenter. On va lui donner un petit pourboire. Comme ça, tu vas voir, il va être tout de suite plus sympa. Alors, c'est bon? Oui, Chacha. Merci. Félicitations pour... J'ai même pas lu ce qu'elle a dit, la pauvre. Extraverti. Putain, t'es chiant à être réticent, là. Je veux pas te... Je veux pas marier avec toi, hein. Au contraire. Mais... Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Réagir à la première neige. Oh! On est en hiver! Oh! Il va neiger! C'est trop bien! Oh, c'est trop cool! On en verra les gosses jouer dehors. C'est quoi, lui? Ouais, c'est... C'est machin. Attendez, je vais essayer de draguer l'autre con, là, devant Bidule, pour voir la réaction. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Au revoir. Comment il rage? Pierre a appris que machin est célibataire. Oui, bah c'est cool. Allez, on veut le pécho. Non, pas avouer son attirance, parce qu'il est, il est froid, là, je sais pas quoi, là. Oh, oh là 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 là. Impressionné avec ses prouesses aux jeux vidéo. Ouais. Bah on va recomplimenter l'apparence, je sais pas. Mais il veut vraiment faire son taf, hein. Genre le mec, il est bien quoi. On a bien fait de lui donner un pourboire. Oh my gosh. Complimenter l'apparence, bah draguer. On peut le draguer ou pas? J'aimerais bien te pécho avant... ça va les bébés? Ouais, ça a l'air d'aller. Là, il est chaud, là. Bah, on va le redraguer, je sais pas trop. Mais ce serait cool que ça monte l'amour au lieu de monter le truc. Ah oui, alors du coup, la petite histoire de Lupina. Hier, je me suis dit, je vais attendre qu'il y ait leur fameuse mise à jour pour rejouer au cas où ils réparent des bugs importants qui me font chier depuis des lustres. Et donc, au final, ils ont juste changé... Enfin juste, je suppose que ça a représenté un travail monstre, hein. Ils ont changé la galerie, etc. Ils ont quand même corrigé quelques bugs, mais de ce que j'ai lu, pas grand-chose que j'avais, en fait. Donc on va voir s'il y a des bugs ou pas. J'espère pas. Il a l'air chaud, hein, ça va. Oh, ils sont en joueur. Oh putain, mes bébés chialent. On peut faire premier baiser, vitef, là, et aller pécho. Oui, donc je vais me retrouver avec un bébé et... J'aime le danger. Voilà, c'est bon, on peut aller pécho. Allez, on va pécho. Merde, on peut pas. Bah, ils s'embrassent, là, c'est bon ou pas? On peut pas le pécho. Oh! D'où faut être ami pour pécho maintenant? Prendre une pause sexy. Oh my god, les gosses vont rentrer en plus. Dépêche-toi, mec, si tu veux baiser, parce que les gosses vont rentrer. Merde, je suis désolée si vous entendez le camion poubelle là. Bon, c'est pas très, très grave. J'aimerais le pécho. Non, pas les numéros de téléphone, il va pas aimer. Vous demandez à son petit ami. Ah! Ça y est. Essayez de faire un bébé. Le bébé! Allez, c'est parti. Allez, baiser 18 000! Hein? Ça picote un peu, hein? Ah, les notes sont en hausse.
Super, mes petits choux. Allez, on vient s'asseoir ici. Bon, ça, du coup, je vais le mettre à la poubelle. S'asseoir. Mais franchement, je suis carrément plus détendue quand ils sont enfants que bambins. Parce que les bambins, c'est vraiment des cassos. C'est chiant. En vrai, c'est pas si chiant. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai les nains de jardin. Là, j'ai pas compris. Mais quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un event où il y avait des nains de jardin, il fallait faire ce qu'ils veulent. Mais ils ont pas l'air de m'embêter, donc je vais pas me plaindre. On va le refaire un coup, au cas où, juste pour être sûr que ça marche. Alors, le faire plusieurs fois n'augmente pas votre probabilité d'avoir plus de bébés, genre des jumeaux, etc. Hein. C'est juste... moi, c'est juste au cas où ils me disent qu'il est pas enceinte, en fait. Comme ça, t'es sûr qu'il est enceinte. Enfin, normalement, sauf si c'était vraiment une chance de merde. Bon, l'avantage, c'est que là, j'en aurai qu'un. Pas 12 000. Bon alors, voyons. Test de grossesse, bah de toute façon, oui, t'es con, Loupi, forcément qu'il est enceinte, enfin qui... Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'il est un gros ventre avec un petit enfant à l'intérieur. Oh, j'ai eu un de ces blancs dans ma tête, là. Non, mais on va pas le prévenir, on s'en branle, c'est bon. Allez, va t'occuper des petits, voilà. Et tu peux te casser, du coup ? Demander de partir. Le Sims part déjà. Bah, qu'il parte. Je m'en balais avec moi. Vous allez faire du travail supplémentaire, les chiards. Voilà, comme ça. Hop. Ils sont toujours en manteau et tout. Ils ont même pas eu le temps de prendre un goûter ni rien. Non, non, ils sont en manteau. Ils font leur devoir. C'est trop triste. Allez, on fait le travail supplémentaire. Zouzou. Et du coup, il est enceinte. Ouais, putain. J'aime le danger. Ça va être horrible. Donc ça veut dire que le mercredi, il va accoucher. Youhou ! Phrase qui humour est en ville, blablabla. Alors, ça m'intéresserait s'il y avait quelque chose à récupérer et à vendre, mais il n'y en a pas, donc on s'en fout. Donc on s'en fout. Ça va assez vite, normalement, le truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Pose-le. Voilà, merci. Et travailler soigneusement, comme ça, je sais qu'ils vont... Ils vont direct... non, on peut pas. Chibi, allons tirer les feux d'artifice. Alors, c'est gentil, mais non. Parce qu'on n'a pas le temps. Ah, travail supplémentaire terminé. C'est bien. C'est bien. Oui, merci. Pose-le. Pose-le. C'est... Oui. Oui, oui, oui. Bon, on va placer dans le monde, au pire. Elle l'a mis où? Elle l'a mis où cette conne? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez réparer vos putains de bugs? Toujours pas. Je vais encore me faire foutre. Putain, elle l'a mis où, sérieux? Oh, c'est relou. Bon, bah, va aider ton frère. Hein. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Ah, mais elle a dû le mettre là, mais il se voit pas. Comment vous dire que ça me pète les noix? Ça me pète bien gentiment les noix. Est-ce que ça veut bien se mettre, putain? Pose-le! Oh, mais... Pourquoi ça fait ça? Pourquoi? Là, on dirait Cyprien avec ses pourquoi, là. Pourquoi les moustiques piquent? Non, mais sérieux! Bon, bah, aider Dersimer, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. C'est génial, j'adore, j'adhère. Super le facochère. Ecstasy vient de passer. Non, Chibi, on est occupé. On essaye de faire des devoirs qui disparaissent et qui veulent pas se poser sur le sol. C'est cool, hein? Ça me saoule. Ça me saoule, tout allait si bien et soudain, bah, ça rebug et bah voilà. Je sais pas du tout où est responsabilité. Oui, bah c'est cool. Mais on s'en fout un peu, sachant qu'il y en a une de vous qui a pu le projet, là. Ah, là, ça marche. Bah d'accord. Ok. Ok, très bien. Donc, allez hop, vas-y. Ça me saoule. Ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Et une meilleure note lui a été attribuée, que c'est dit? Bah pourtant, ça a rien fait. Je sais pas, j'ai pas compris. Et les bébés qui chialent, putain. Je sais pas où on peut acheter le projet scolaire parce que j'aimerais bien... Ah, peut-être, attendez. Je vais essayer. On sait jamais. Ah, super. Donc elle avait celui-là, elle, je crois.
Pourquoi on peut pas le poser? On peut pas croiser d'autres objets. Est-ce qu'il peut niquer ta mère? Désolée, c'est... Putain, mais c'est quoi ça? Une collection d'assiettes. Mais oui, d'accord, mais pourquoi? Puis ça vient d'où, surtout? Elle coûte cher en plus, attendez, on va se faire plein de thunes avec ça. Hop là, voilà. Bon, du coup, le projet scolaire. Je sais pas, je pense que je vais aller dans le monde et ça va être revenu, vous allez voir. Voilà, mets-le là. Parce que c'est un peu casse-bonbon, hein. Ils en sont d'ailleurs, les pauvres gosses, ils sont au bout de leur life. Et c'était celui de Paillette, pardon. Je croyais que c'était Miss Panda. Miss Panda est là, avec son bonnet. Le bonnet. Et les gosses pleurent de ouf. Bon. C'est bien. Hop, Pierre, tu peux aller t'occuper des chiards, là. Du coup, il a ou pas? Soin ultra efficace, soin ultra efficace, et soin ultra efficace, c'est ça? Ouais. C'est cool, c'est cool. Allez, venez là. Je sais que vous avez envie de divertissement, mais c'est pas le moment. Zouzou, les petits piou-piou. Le truc trop nul. Pourquoi vous passez dehors? Faut pas chercher, hein. Vous pouvez pas aider. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug encore? Ah, c'est bon. Aider pour le projet. Je vous ai pas demandé de jouer à je ne sais quoi. Allez hop! Et Pierre aussi, hein, dès que t'as fini, tu vas aider. Merci, meurs, tu fais quoi? Allez voilà! Paillette a terminé son projet, une meilleure note lui a donc été attribuée. Franchement, c'est cool ça. Par contre, ils mettent 15 ans à faire le truc. Après, ils vont juste aller se coucher. Ouais, ils vont aller se coucher. Hein. Oh my gosh, quoi. Allez. Dormir. Et. Dormir. Est-ce que c'est bon? Comment elle a la dalle et tout? La pauvre! Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Avec encore des triplés. Je suis maudite. Et ce n'est pas un jeu de mots avec mon vrai prénom. LOL! Pour l'épisode suivant, bah, je vous reprends la semaine prochaine. Non, mais je veux dire que je pense que je vais jouer un petit peu, histoire de stabiliser leurs besoins, etc. Enfin, je sais pas trop, je verrai. Bref, je vous envoie des cœurs et des paillettes, et salut!